J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Mesdames et messieurs, bienvenue aux abonnés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'actualité est à Libongo dominée dans l'Ikambouya arrestation. Il y a sept Kikouni, un opposant. Il y a pouvoir et président Félix. Opposition, Basali bloque autour de cette situation. Bah, lobby, président Félix a outil opposition. Il n'y a pas sûr qu'il y ait une opposition. A quoi qu'il s'est comporté, n'est-ce s'est comporté les lotés. Les lobes opposants ont été maltraités, malmenés, incarcérés. Dans le cachot, il y a un air, il y a un air. Il faut pouvoir, le cachot, il y a un air qui est fermé. Que pense l'invité du jour quand on sait aussi que dans le niveau du pouvoir, le lobby, le propos tenu par Cheikh Kikoun est allé très grave. Ils ont dit propos séparatistes, le propos. Tribaliste, propos au égo au Kabola Bongo, Bisobana Congo, et Sengeli à répondre à l'acte naïe devant justice. Mais la grande question au moment où on a l'émission, Cheikh Kikouni Azali Wapi, moi Sinaya Lobi Akomaki, correspondance Moko, na Agence nationale de renseignement, on va répondre à l'été. Mais déjà, certains agents, il y a Aner Bako Lobake, Moubali Naïe Atikali, qui s'est présenté à l'Agence nationale. Il y a renseignement. Autour de Siwana. On en parle dans cette émission. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, Boyebi Kemakamboué Koleka entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Agression de notre pays par le Rwanda. Un journaliste d'enquête, essayiste, politologue franco-camerounais, Charles Onana, donc a comment livré Holocauste au Congo. Donc, Omerta, mesdames et messieurs, procès Mokwe Fungami contre ba ONG na ba organisation internationale mususu pro Kagame ba lingi ko traduire na éditeur na ye na justice par rapport à ba vérité o ya commis na kati sa livre wana biso ba congolais ko yiko se comporter ndenge nini face à mutu o abimisi vérité à Paul Kagame na kati écrit. Ce sont ces sujets que madame Pascaline akomeka ko pesa biso biyano na mituna oyo to bongisi. Merci na Steve Kone na niveau ya régie bo s'abonner massivement. Vous likez, vous commentez, vous allez chaîne Yassika, Makamouya Kafou Kafoué Kouya, et Bandeli Botenir, Monsieur Rigard, vous allez essayer technique. Mon amboka, Pascaline, bienvenue. Merci beaucoup, Mitterrand, merci beaucoup, Nabalandina Bissonios. Voilà, abonnez-vous massivement. Yachikito Mouchachino, partagez. Yachami Mabakala, partagez. La grâce d'Ouda, Melotti, Mavungu, Namoni, Odade, Anna Pointe, partage, départage. Ok. J'y mal à partager. Maman Mangui de Congos. Evelyn Mouzemba. Maître Makumbi. Oui, voilà, Maître Makumbi. Papa Jeff, Nada Canada. Maman Judith, pour partager, à partage sans frein. Et puis, pour s'abonner massivement. La chaîne d'Action Asika, désormais vous retrouvez Pasteur Guili Awa, Joseph Peta Awa, Mitterrand Naya Awa, Pascal Kita Soko Awa et tant d'autres Oyo. Bakoya déjà. Bakoya, Bakoya, la qualité Marabasique, Zoya A, Dodaka, Nessende, Mitterrand Naya Lubi, pour que Topé Sabino de Agou, Yamakabou, Salama, Abouzakoumouna, nous sommes vraiment en plein air. Voilà, donc nous avons fait s'organiser pour trouver un endroit sûr. Pour la remonter, nous avons plateau à Kitoko. Je peux au moins soutenir Bissot. Pour qu'il y ait une parce que vous avez dit que vous avez dit que vous savez que vous pouvez nous faire confiance. Et puis, vous avez dit que ceux qui ont des contributions, à bon port et que ça, la misala ya Mboka. Très bien. Moi, la Mboka, nous avons la politique à Congo, à le développement à Congo. Et ça, c'est que vous avez dit 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 que
Oza ko soutenir bande ko no bazako pesa yo actualité Mitterrand na ya ya mboka en temps réel et puis pour émiquer ce tolo barabérité to truc aka information té. Donc contribution la bino nyoso pe eza le la bienvenue voilà Mitterrand. Très bien, moi la mboka Pascaline Kasongo lelo actualité et fandi mingi autour ya opposant Chet Kikuni oyo ça fait 8 jours famille naye bayebi place azalité moi si naye vraiment assombré na sanglo akolé là mobali naye azali malade bayebi place azalité sengela ki ça que nous ça donc check up santé naye tout ça alobi même qui a commis mokanda na agence nationale ya renseignement pour tout na soki mobali naye azali wapi jusque là na nous réponse à joamité mais quelques agents balobi qui en tout cas batikali comme on a mobali naye wanate. Où se trouverait finalement dans le moment où le bas Chet Kikuni? Mitterrand, je compatis d'abord avec Madame Kikuni. La Kokiko s'est pélaté peut-être dans malheur, mais il ne faut pas que tu analyses dans ça après. Nadako s'est pélaté, peut-être que son mari ait disparu ou qu'il soit détenu parce qu'apparemment, Pézo et Banaté, ceux qui a disparaître ou bien ceux qui a détenu. Donc, j'ai compati avec elle. Mais puis ce pendant que tu as pour les Mitterrand, il y en a ma balle. Je n'ai pas ma maman Denise Nakir, on a eu comme on a campagne électorale. Au moins, elle est toujours au petit soin à regarder. Elle était même vraiment engagée dans la communication de la campagne. Oui. Et au moment qu'elle a ressorti les meilleurs d'elle. Et au moment que même président Fati a ressorti le meilleur de lui. Parce qu'à côté, il y a une femme sage, à côté, il y a une maman qui bâtit, à côté, il y a une maman qui ne préfère pas des divisions, qui ne laisse pas Babino Romo Boye et l'État. Je pense que Mme Kikuni, avant d'avoir eu l'élection à TV, fallait nan apex à Mobalinaya qui est Katanga. Fallait qu'un nan apex à Mobalinaya qui est se joindre. La bateau, il y a une identité, il y a tâtonnement, il y a une identité douteuse. Quelle fierté! Parce que la femme de cette Kikuni, je crois, elle est katangaise. Adali katangaise, je crois. En tout cas, je pense qu'elle est katangaise. Parce que Adala Kassad Miss Poda, comme moi, elle est au Mongo Yabo. Quelle fierté! Elle, en tant que katangaise, a yébi que Batouana Baboïse Katumbi. Est-ce que mon balina qui naïk au Sakana? Parce qu'elle est 9 ans avec la grande province de Katanga. Période où on a la loi même sur la minéré, oh yo yo, et ça l'a raté. Ils ont géré les Katanga, parce que la Katanga. Elle était mieux placée à Royal Samobane qui va te faire confiance. Baba Koyo, Batongi Katanga. Les lobbies sont habillés au Tino là-bas. Les lobbies là-bas d'aujourd'hui, bravo à Madame Fifi Masuka Saïdi. Pendant 9 ans, Moïse Katumbi a été gouverneur, je ne sais pas 8 ans et demi. Baba Koloz, on est comme un presque. Moke Tralaika, Basita, j'ai Kamine Kakaande, et présenté à moi, Botambo Kato Yebi, Moke Komi Akala. D'ailleurs, c'est aux autres comprendre. C'est-à-dire, Mounela Tongaka. Beaucoup de gens sont belges, mais ils sont comme des gens qui sont comme des gens. Ils sont comme des gens. Ils sont comme des gens. Et au moment où Moïse Katumbi va dire qu'il y a un gouverneur, il y a un gouverneur. Mais ils n'ont rien fait pour les Katanga. Donc, Madame Chet Kikuni a été mieux placée pour diriger mon bali. Il y a un gouverneur qui ne va pas là-bas. Mais le Kosso est un bon gouverneur. On ne peut pas vouloir gagner à tout prix. C'est un garçon qui se débrouille, à cause de la politique et consort, à l'écoute du candidat présent la période où tu as fatigué. Pourquoi se compromettre? Pourquoi se compromettre? Donc, pourquoi ça qui a se compromettre à Kende Kokota, na Babilo Komoko Oyo, Ezali inutile. Lui en réalité, c'est un tel tempérament, il y a 7, il y a l'élo. Il y a 7 autres, il y a des gens qui sont morts. Les propos que 7 tient, c'est des propos, il y a des propos, tout en sachant que l'ennemi n'a mis ça. La communauté internationale, via le Rwanda, a linga kabo kabwani ya Congo. Ennemi a luka kaba Congolais, ba beta na mituba kabwana. Le but est de séparer les Congos. Le but depuis 64, même Lumumba l'a dit, est de balkaniser les Congos. Donc aucun Congolais qui a été le a yébité que Mundela Lingaka Panza Congo. Mais quand toi tu veux maintenant jouer les jeux de l'ennemi à Tayomoko. Donc, Madame Kikuni, qui m'a balina Kenda qui a traité qui va propos à Tena qui va propos à Tena Kiwana. Elle a trouvé que Mobalina a tené. Donc, tout naïe, madame, selon vous, Mobalina l'obati bien.
au nom de la liberté de l'expression. Non, la ligne moi la mboka Pascaline, au mec pour relater bato parce que comment on a que cette que kuni service ya intelligence ba kang donc ba bakier ndenge to yoki, c'est quand même très grave, c'est que ba propos na lobaki et kogi aux ala grave et kogi aux ala incendiaire. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais moi je ne dis même pas que le service va kangier parce que jusque-là, le service peut confirmer que c'est kangier. Mitterrand, il y a un manix, il y a un aner, il y a un aner, il y a un maltraitation. Mais deux collaborateurs, il y a un qui achète ce qui est kangier, il y a un misa tout. Après, il y a libéré, le lendemain, il y a récupéré le téléphone. Eux, ils affirment que kanga ki bango na service en mais est-ce que vous avez dit que vous avez un montage? Est-ce que vous avez dit que t'il est l'eau à faire ce ruban qui est élucidé? Soit disant que nous avons une garde, nous avons une cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle est là-bas, à Tikala Roko Makunate. Soit disant que garde, nous à côté de bureau, à Tiki Mundu, qui est en train. Est-ce que vous avez dit que nous avons une montée de l'histoire de toute pièce? Il y a un autre qui s'appelle est-ce que cette Kikouni a subi de sort, il y a Chérubin au Kendete. Mais les opposants dans ces pays sont capables de tout. Ah, biso tout le monde a Martin Fayoul à l'objet de boire quelques grenades. Oh! Mais tout le monde a Kaza vivant, c'est si comme à ce moment-là qu'il y a des grenades. Mais nous, tout le monde aurait des animés. Mais n'ayez-vous que dans ces pays, tout est possible. On peut monter tout un dossier pour te salir. Et puis, confirmer, là, on peut battre Kaza à solo. J'ai vu une image où le président de la République est devant une maquette. Dans le centre financier, Expo Béton, Expo Béton, à Otuna Bango, on a expliqué que c'est un appartement, des chambres et salons. Et a payé en 3 ans et patati patata le batbalomi que Félix a aussi mandat au moni namboka oyo tout est possible. Je vais venir à Papi Tamba soit disant bah enlever qui est Papi Tamba bah enlever bah journaliste bah bimi bah enlever bah enlever Papi Tamba yo bimi la biso kazi kombe là c'est que dans ces pays tout est possible. Mais pour en venir à ta question, on a déjà eu un madame moza congolaise, c'est un congolais. Madame Katangaise, est-ce que ma propos cette Athéna qui est ma propos est ma lame ou mythe? Soyons vrais, soyons francs envers ce peuple. Soyons vrais, qu'est-ce que cette. Pourquoi cette doit aller entrer dans un conflit qui ne les concerne ni de près ni de loin? Azana est innocent, il y a Pamba. Et elle y était, Babitou Baba Moïse, Katumbi, Christian Mouando, Babunda, Babitou Mouando, Babunda, Katangi, on a 7 à Kéko Kotanakati par rapport à quoi? Pourquoi Tika qui va Mouando Baya Kolobangote? Pourquoi Tika qui va Hervé Djaké? C'est pas ça, va tout ensemble Baya Kolobangote? Parce que 7 n'est qu'un allié, il n'est même pas d'ensemble. Vous pensez que Batindi est Kotinda? Non, mais moi je me dis même pas Tindiote. Mais même quand je vais m'allier avec toi, il faut déjà appeler à ma réserve. Comment y'a Koko Kotana Likamwa, Bato Kota Mobimba? Martin Fayoul a fait. À Salaki Nani Moko na Katumbi. Pourtant, à un moment, il s'est retiré. Ma tête à Pogno. À Sangana et Pena Katumbi. À un moment, il s'est retiré. Mais c'est comment il est entré à Kekokota Likambo. Mitterrand, il faut que vous ayez Kambo. Oyebi, tant que Bengana va casser na Katanga. Na ba 1992. 91, 92, 93. Nga Perola Naza Mbushimai. Je crois que c'est 6e primaire. Tu vois bien que on va unisaidie ko batu o ba yebi histoire ba refouler na ba réfugié ba yebi makambo na olo on amboka parce que limbete la biso moali solo wana loko yo zalaka na mbujimai certainement aux oa ka moi vent aux oa ba iko ya likambwana ezalaka na ndenge ni poto ye ba gravité ma moi cette qui kuna lo autikolo mais la lingina lo bana elo ko moko eza très important. Est-ce que yebi que c'est à cette période là que Étienne Tshisekedi doit mulumba batte de l'aile? C'est à cette époque là que conférence nationale les osa la vent opposition et au mata parce que c'est à cette époque là que ma pillage à 90-91 et où t'es au salama. C'est à cette époque là que Tshisekedi, c'est vrai, babanet depuis 1982, mais à ma époque où on a 90-91-92-94 de opposition à wa de yo capia qui était Tshisekedi soka ami à maintenant sur balandi. Mais tu penses vraiment on a mou batté que papa Étienne période wana Azandenga Zakuana, Aza célèbre, Aza Azolo, Batu Nyon, ce balandi va comprendre que Mabouta dans la dictature. Ville morte. Ville morte, Keine, Kei. Est-ce que Étienne Tshisekedi sera à Maloba? Quoi, Loba, qui va casser un peu, Bazong, si la Bakatango, et bien l'eau, il n'y a pas de salam. Est-ce que bien l'eau, il n'y a pas de ça? Parce que Mambo Kamoko, sans aucun Katang, la frontière est athée. Au cas où ta monnaie dit tout, Ozoya, Oya, Ozoya, Oya, 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 O
D'ailleurs, bango nyonso ba ba descendant mutu moko. Ilunga soki na ba mo ba bengaka. Baza ba tu moko, soko talbe ba kasiana ba katanga ba forme moko. Et puis curieusement ba sangana petro. Au moins 60% ba katanga, baza 25% ba kasaye. Soit na ba koko na bango, grand-mère moko boyé, donc noko moko boya kenda ko bala na kasai. Donc na yebisi yoke, baza na bango ba tu moko, ba sangana. Siko yebisangai. Que période on est en train de se fixer, ma bengani ba kasaya na katanga. Ngunza a beleli boe bilulu mubauwe bilulu mubauwe. Na ba kolwezi wana boe ba kote la ba na banda ku mutaza ki directeur a Jekami na tongo na pokwa a se retrouver yena bana na ba disaka na mukongo na balabala. Train pe train o wapi. Place na kata ba train zate train zo pona te train marchandise train sokini ebe loko banda benda abeta li solo wana to yoka miterana ya eloko na e boma ka je ka minte e boma SNCC e boma kadel e randa katanga par terre discours ya pamba discours ya pamba siko yebisanga nenge ngunza mataki wana ke bakatake ba bengana bakasaye etent sekende koto na kisha tape amati albi bakasaye bino pe bozongi sa. Tu vois ce que ça allait donner. Parce qu'à cette époque, les Tshisekedi étaient leaders. Mais les Tshisekedi ont salé en route. Dans le bien exemple pour Anime, pour nous, l'Aksaka à Batouke, je pense à mon humble avis qu'on n'a pas besoin de division. Le peuple kassaïen, martyrisé jusqu'à aujourd'hui, n'a point au Bassala Rabangwala, Bakatangi, Bassala Kahana, Bakassaïen, on va répondre à tes mythes. Bakassaïen, on va faire sa réplique. Et toi, tu souhaitais pas répondre. Toi, tu souhaitais pas répondre. Justement, c'est pour te montrer que. On n'a pas besoin de nous entretuer. Pour moi, ça aurait été une leçon pour nos frères Katangé. Que Batou Oyo, ba leader Nabango, soi-disant, Oyo, ba intoxiqué Kabango, ba même Kabango va se rebeller contre leurs frères, Balouba, parce qu'ils sont tous Congolais. Normalement, le peuple Katangé, ma femme va tellement la leader Wana. Ma question est dans tout le monde. Mite, pardon. Parce que nous avons sensibilisé. Il faut pas dire qu'on n'a pas besoin. Nous avons toujours vécu ensemble avec ces gens ici. Nous avons toujours été frères. Pour certains, nous avons des femmes katangaises, d'autres des hommes, des maris louba et consorts. C'est comme ça que mon attitude de papa Étienne, Akenda na sens wanate. On ne peut pas soutenir un langage séparatiste aujourd'hui. Et ça, c'est possible. Miterana ya tofanda na kisasa. Nga mama Pascaline na koza na mobali ya mbuza. Yeba ke mobali na mbuza na ta msu tatane na za mbuza mama na ya za mbuba. Ça veut dire que aye azana ba kuzena ya ba mbuza na ya ba luba. Ta msu sunga ma papa na nga za mswahili, mama na nga za mkongo. Na zana ba kuzena ya ba kongo. Ozo mwande ba famille za mélange. Ça veut dire au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas. Et lorsque quelqu'un vient avec un message comme ça, service de renseignement, il faut arrêter. Bien que ce n'est pas encore confirmé qu'il va arrêter ou pas. Il faut l'arrêter. Parce que c'est un leader d'opinion. Vous ne savez pas, le discours, il n'y a pas. Aujourd'hui, on a le plus long cimetière des Kassaïens. Ceux qui sont vers Sandoa, aux Akolwezi. Ok, de vers Sandoa, vous êtes là, train de collection, le plus long cimetière, et si vous avez un peu de refoulé. J'ai dit que vous avez une histoire, suscité la mité, mais nous épargnons les gens cette histoire, parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus pour construire, nous ne sommes pas venus pour détruire. Mitterrand, à plusieurs fois, nous avons été à Sandoa, nous avons vu avec vous ce qu'on appelle les cimetières le long du chemin de fer. Mais le leader, certains leaders katangais, il gagne quoi en puisant dans les discours séparatistes, des discours divisionnistes, pas au gagner nini. Parce que comme moi koyo quand moi mingi, certains leaders, tobi bah leaders katangais ont sauté, mais certains leaders katangais, bah qu'on construit politique, na bah on a discours et haine, discours et tribalisme, discours et séparation. Bah qu'on gagne nini finalement mon amoura Pascaline. Mitterrand, vous serez surpris si on a mis bino que bato va louka ka séparation wana. Ceux qui m'ont causé un bah au camondé bah au souffrir bah au louka au zong à côté mbamu. Ils seront entre la Zambie et nous et l'Angola. Ils vont pas survivre Mitterrand. Minéré kosa bangote. L'ennemi après avoir tenté à l'est à okokaka te
et le bilan au frère Wana, Banda Baloba qui baoya sur Kinshasa, il paraît les lots, Nangaza ceux qui sont en Ouganda, Bamsou Baza ceux qui sont en Kenya. Je suis un peu plus de temps. Autorité morale na bango kaga mais pas au monde qui a dépensé mingi résultat peu bah au pays ça écarté. L'ennemi est en train de changer de stratégie et l'ennemi a utilisé malheureusement plusieurs de nos frères Katangé bah John Numbiwana bah au Kanchake Lelo ceux qui bakaboli Katanga bah au Kanchake Lelo bah au ceux bakaboli Katanga kaga mais aye Azui Moïse Katumbi ba opesa e Jekamine, John Numbi ba opesa e SNCC, ceux qui n'ont pas opesa e Kolwezi, ba kase se on a nyo se banda refuta redevance, c'est pas na bango, et ils vont s'enrichir. Vous allez vous enrichir, mais la mort ne prévient pas. Bon, qui kozwa bokaboli katanga lelo, deux ans après, ou ya koufi, qu'est-ce que vous laissez après? Oyoka badani banza baolo, ba peuple katange, tout ça là. Est-ce qu'on a encore besoin de ces discours-là aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore besoin de faire du chantage aux autres Congolais, Mitterrand Naya? On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Zamba, il y a Équateur et Tongara Jekamine. Ben, équatorien, il réclame raté. Il ne réclame pas l'air dû. Aussi, au moins, il y a Mbandaka, il y a Équateur, il y a Zamba, il y a Tongara Jekamine. Jekamine a fait sa rabisso 2%. Ils ont un Équateur, pourtant, ton Équateur. Mais il faut réfléchir. À un moment, eux, ils nous poussent à réfléchir comme ça. Parce que si on a construit la Jekamine avec l'argent qui venait à l'époque du caoutchouc, du bois de l'Équateur, aujourd'hui, il y a un peu de temps qu'il y a la Jekamine, mais on a besoin de 2% pour ton Équateur, parce que l'Équateur, c'est le petit Kalazamba. Mais ils ne le font pas, parce que nous nous sentons plus Congolais Mitterrand Naya. Cette histoire... Aujourd'hui, ma famille est divisée. Oui. Et là, ma maman, Oyo, n'a qu'aucune tikala à Kobungi Samoana. Si le loyer habite, moi, habite Sika Kenda. Moi, on a vécu une histoire où Batubazala Kalikolo y a très mythe. Batuba Fandi Bapanzi Makoloboué, Moko Akotiboué, Moko Akotiboué, Moko Akotiboué. Il faut savoir que les trains de Lubumbashi à Kamina, les trains sont électriques. Singamoko et Katana et Beta Moutoua Zalara Liboso. Et l'andi ça m'a tout nio sur Badaral, Nicolas Train, tout en sachant que Train Zali Bende. N'aimite ceux qui osent imaginer Dramoana, où est Salah Lelo, le plus long cimetière. Plus jamais ça, voilà. Dans ce pays. Plus jamais, plus jamais. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un Congo retrouvé, comme le dit Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, j'ai toujours dit, la plus grande victoire, Mitterrand Naya, du peuple congolais, et ça même pas que Lelo Fatia Otonga Mama Emo. Ils n'ont même pas l'élo pour Fatia Otonga Banzela. Ils n'ont même pas gratuité de l'enseignement. La plus grande victoire c'est des Congolais... C'est de vivre ensemble. Pas ça. C'est d'avoir amené un fils du pays à la tête du pays. Ça, c'est la plus grande victoire. Et cette victoire, nous la devons aux Congolais, Mitterrand. Nous venons de passer 20 ans, 25 ans sous l'esclavage, sous les jougs du Rwanda. Mon frère Joseph Mbeza l'a dit ici, on ne peut pas être si on ne peut pas être comme Joseph Kabila, il n'y a pas de Mikola Otanga. Mais la plus grande victoire du peuple congolais aujourd'hui, c'est d'avoir repris ce pays et l'avoir confié à un fils du pays. Il peut avoir des lacunes, à cause de la parfaite, parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais le fait qu'on ait récupéré notre pays, c'était ça le combat de Lumumba. C'était ça même le combat de Laurent Désiré Kabila. Rentrez chez vous, laissez-nous gérer notre pays. Malheureusement, on a passé 25 ans ici, sous le joug du Rwanda, en train d'être malmené. Aujourd'hui, le peuple congolais est victorieux parce qu'ils ont ramené un fils du pays. À la tête du pays. Et cette victoire, c'est la victoire du peuple congolais. Et moi, Moni et Tindi Félix Antoine Tshisekedi a commis livre un Congo retrouvé. Le Congo retrouvé, ça veut dire qu'on l'avait perdu. Nous venons de retrouver le Congo. Construisons ce pays. Tout ça, ma boko bisonio so esika. Félix Antoine quoi alobaka. Alobaka soki nyango moko moko na ye na bosa nya adage ngo. Bakolope balobi mo sapi moko et sokola ke longité. Très bien. Fédérons autour de Félix Antoine Tshisekedi. Mais est-ce que nous avons besoin aujourd'hui de nous diviser? C'est la grande question. Parce que les gens sont au Tuninga, par exemple. Katumbi a reproché à Nini na Fatih.
Oh, il y a ça là, comme là, mon collègue Fati. Damonique Fati a zo kokate. Il faut qu'à y ait la yé pour la diriger. Quoi. Le barami, il y a question gouvernance. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Gouvernance de qualité. Mais c'est ce que j'ai dit. Quelle est la gouvernance de qualité que lui a eu, que Fati ne fait pas aujourd'hui, que lorsqu'il viendra à Kosala. Parce que lui aussi a été gouverneur dans ce pays. Il y a le pays pour gérer province, il dépendait de la vision à Kabila. Mais président Félix, alors gérer Mboka Mobimba, ça veut dire que vision en gouvernance, ils allaient à président Félix, mais donc, ce n'est pas la vision. Ceux qui ont géré la province, c'est qui vision à Kabila. Donc Kabila nous a mal géré. Pourquoi Moutine, ça y est bien haut. Mais non, Kabila nous a mal géré. Ceux qui ont géré la province, ils allaient qui vision à Kabila. Lui, quand il s'enrichissait, quand il était argenté de Kabila, comment il n'a pas pu? Francis Kalomba autour de Babissou Akaya a été signé Kabila, il a été signé Kouloumana Kabila. Comment on n'a pas? Comment eux n'ont pas pu lui dire? Pourquoi ils n'ont pas eu la force de reprocher Kabila qui a dirigé Mabé? Et pas Félix, ne pas Mbaya Obimsa Makasi à Kouloumana qui a dirigé Mabé. Très bien. Alors, autre question. Moi, Namboka Pascaline, au-dessus Kouloumana Makamouya, agression de la République démocratique du Congo par notre voisin, le Rwanda. Il y a beaucoup de Congolais, beaucoup d'intellectuels congolais. Bah, écrivain Bazali, bah, journaliste d'investigation Bazali. Mais na bango vraiment muto commis livre mon côté zo retracer réalité et makambu makoleka entre notre pays la RDC et le Rwanda voisin. Mais il y a eu un franco-camerounais, politologue, journaliste d'enquête, essayiste, Charles Onana a pu écrire un livre réel aux retracer bah, complot Nyonso Kagame à la Kanango contre la République démocratique du Congo. Ce livre explique les raisons. Il y avait incursion et armée rwandaise à répétition dans le Kanabiso. Ce livre explique complot lointain. Il y a l'Ikambouya, Empire, Ima, Tutsi, et ça les Maawa, la République démocratique du Congo. L'hégémonie, il y a Rwanda sur le Congo, a expliqué en gros avec des preuves, avec des faits. Banquette dans les Nations Unies, dans l'ambassade partout. Aujourd'hui, Charles Onana est poursuivi en justice par les ONG, mais aussi les organisations internationales pro-Kagame. Yosa Congolaise, Tango Koyoka et Loko Yabongo, initiative Nini Bissoba Congolais Tokoyi Kozoa. Mitterrana, Oyebi, on a Zolobake, la plus grande victoire des Congolais, c'était de lire un fils du pays à la tête du pays. Parce que Yangwe Pessa même là-bas, Charles, on en a occasion à Kouma. Parce que pendant 20 ans, on n'en a pas écrit. Il savait que c'était dangereux d'écrire à cette époque-là. Il savait que l'Union européenne, la France, la Grande-Bretagne est derrière Kagame. Si tu oses écrire, Charles, on en a eu bien qu'il y a lis-moi. Dans les gens qui ont eu l'eau, il y a eu l'eau, Franck Diongo. De là-bas, Franck Diongo, quand il y a eu l'eau, il y a eu l'eau, il y a eu l'eau. C'est parce que Kagame est conscient aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi a pilé, a gagné dans Libanda. C'est grâce à Félix Tshisekedi aujourd'hui qu'on l'appelle de voyou. C'est grâce à Félix Tshisekedi aujourd'hui que bah, on en a commis. C'est grâce à Félix Tshisekedi aujourd'hui que plusieurs vérités sont dites. C'est grâce à Félix Tshisekedi aujourd'hui que même cette grande guerre est rendue vraiment populaire. Si que le col à Kagame a yébi que Félix a gagné à l'extérieur, a gagné la communauté internationale. Parce que même aujourd'hui, au sein de l'Union européenne qui soutient le Rwanda, les avis sont partagés. Les avis sont divisés. Yangwana, Balingaki, Bakende, Ko, Nani, Ko, ça la spectacle Nabango Kuna. Parce qu'ils savent que la diplomatie a gagné là-bas. Alors comme ils sont les adeptes de Kagame, il fallait aller faire les désordres là-bas pour. Bah, quitte sa mission à notre Félix Antoine Tshisekedi a servi pendant 5 ans. Il y a qu'à convaincre la communauté internationale que nous sommes agressés par le Rwanda. Mitterrand Naya, c'est désolant qu'aujourd'hui ça soit Charles Onana qui écrit l'Holocauste congolais. Parce que nous avons des émigrants. Pendant qu'on tuait les Congolais, ils ont prêté allégeance à Kabila et personne ne pouvait écrire. Julien Paluku te vient avec beaucoup d'éloquence pour te relater l'histoire de l'Est. Parce que lui-même a été gouverneur pendant 12 ans. Malheureusement, ce n'est pas lui qui écrit. Parce que bah, Julien Mayebi Koleka Makambo Charles Onana a commis. Malheureusement, personne n'aura le courage de le dire. Ouvertement comme Charles l'a écrit. Dans un livre avec des détails, bah, rapport, il y a experts et tout. Moi, ce qui me déçoit, c'est ça.
c'est qu'un Camerounais soit plus conscient que nous dans les Kambou Oyo et les Kina Congo. Ah, qu'est-ce que c'est le service de renseignement aux États-Unis, à France, ça met des ordres. Ça met des ordres. Que nous, aujourd'hui, il faut se référer à un Camerounais pour avoir un problème aux isolés Kanambo, Kanabis. Mais ce qui s'est passé au Congo, ce qui se passe encore au Congo jusqu'à aujourd'hui, est très désolant. Et Ngaï, je pense que je ne peux qu'apporter son soutien à Charles, mon soutien à Charles Ounana. Parce que, comment on a que. Mais que ça, l'investigation à GT, hein, c'est au péril de sa vie. Hein. C'est au péril de sa vie. Les loyers, on a, ok, Samba, ils sont Congolais, tu vas dire. Au lieu de Congolais, on a cité, on a dit, on a guerre en Wetalinga, ils ont 2000 km. Vous comprenez? Il y a, ok, Samba. Il y a les communautés internationales, les Asimanaïs, il y a les Union européenne, les Asimanaïs. Nous ne pouvons qu'apporter notre soutien à Charles Onana. Nous allons nous mobiliser parce que c'est la cause du Congo. Nos 16 millions de morts ne peuvent pas aller gratuitement. Aujourd'hui, 800 000 Rwandais qui ont été tués par leurs propres frères. Parce qu'il faut le dire comme ça. Oui. Le génocide rwandais, c'est un Rwandais qui a tué d'autres Rwandais. Les génocides rwandais, on ne peut pas l'appeler. Oui, parce que notre temps, le Holocauste est juif. C'est un Allemand qui a tué les Juifs. Mais le génocide rwandais, c'est un Rwandais qui a tué ses propres frères rwandais. Ce n'est pas les Congolais qui ont tué les Rwandais. Mais nous, notre Holocauste, c'est un Rwandais qui s'est permis de tuer les Congolais. Et qu'on n'en parle pas, qu'on ne les dise pas. Mitterrand, plus de 16 millions, on est en train de saboter les gens au Congo. Ton lobaté, pour ceux qui ont lobby, l'Union européenne est télémi. Un seul Français tué en France, au moins on a des mobilisations, mais est-ce que les Congolais va s'imprégner dans le contenu à livre? Est-ce que les Congolais va posséder l'information? Parce que Charles Onana, en écrivant ses livres, à l'ingrédient bas congolais, c'est banal, bas congolais, bas soit destin beaucoup, bas on a beaucoup, bas comprendre ma camboya collègue, parce que complot, ma camboya les gars, ils ont complot oyo et Kangama déjà depuis très longtemps pendant de grandes puissances et Kagame Azali Kaka exécuteur à ma camboya, ça continue à co sensibiliser. Mais est-ce que bas congolais, bas on a conscience, bas est-ce que bas comprendre information, est-ce que bas congolais bas tangi livre on a, bas yebi ma camboya comme amiwa. Malheureusement, on est loin de là au fait. Les Congolais dans les divers. Les Congolais dans Bayebisi a foutu taxe Boyalobi et à tracasserie. Les Congolais sont loin de s'imprégner de cette réalité-là. Malheureusement, parce que faut le bape vérité. Nos frères de la diaspora, peut-être Baoba Bundaka, parce que Namon a rappelé, on peut pas réaliser que nous sommes en guerre. Mais tant que nous sommes à Kinshasa, on réalise que nous sommes vraiment en guerre. Nous sommes vraiment dans les Keba Keba. Malheureusement, les Congolais ne s'est pas imprégné. Alors, il y a un moment où il y a un éveil patriotique pour sensibiliser, pour réveiller, nous sommes en guerre. Pour réveiller, le pays est en danger. Pour réveiller, que si le pays est en mouvement, mais malheureusement, tu verras. On a habité par exemple Lelo, soit ok par exemple dans Massimanimba, autour de Moutouké. Est-ce qu'on a dit que RDC est en guerre? Alors on a la conscience en haut. En fait, c'est le travail que Félix Tshisekedi voulait faire et veut faire. Il voulait conscientiser les Congolais, qu'on est agressé. Quand Félix Antoine Tshisekedi répétait tout le temps, c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est le Rwanda. Il voulait que éthique à la namito ba Congolais pour que ba Congolais bas à la sensible, bas à la éveillée. Mais malheureusement au Monaco, il y a une partie qu'on appelle soi-disant opposition, baso dénigré en haut. Pour eux, c'est comme s'il n'y a rien. Malheureusement aussi, une grande partie d'eux, Bakenda qu'on prêtait allégeance à l'ennemi. Parce que Moutnamoutou, alors nous comment vivre. Ces gens-là ne sont pas pauvres. Tu penses que pendant ma Kabylie, c'est Lelo, qu'est-ce qu'ils ont à aller s'allier à RFC? Est-ce que tu penses que Nanga n'avait pas assez d'argent pour vivre assez longtemps dans Mboko? Mbango Nanga Zbi Koka qu'on permettrait à vivre à Taba 20 ans. Mais gourmandise, égoïsme, au thème à ma il y a un peu de choses qui sont très a des millions. Au moment où il y a des Kagame, il y a des pauvres. 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 Il y a des
Au contraire, ma pauvre écoute, ma zaha, mais ma pauvre au bout de la moka. Mais ma ronde, ma diana, ma million. Ma ote kamboka. Pour ma ligue, ma milieu, ma tsama. Très bien. La logique serait que ma pauvre n'est pas que ça s'allier pour la pauvre au kambongo. Voilà. Donc, aux hommes, on a un contraste, malheureusement. Un contraste, malheureusement, c'est par ces termes que nous mettons fin à cette émission. Mon amboka Pascaline Tokomina Souka, en une minute, conclusion. Ngana loba, toujours to lingamboka au Mitterrand. On peut faire toutes les conclusions du monde. Soro lingimboko te. Obando lala o kanisa. Omi kanisa yomoko. Tango lala akolamuka. Kanisa 100 millions de Congolais. Le jour où tu arrives à penser à 100 millions de Congolais. Et au pekisa yo ke naba dérive ebele. Le jour où tu arrives à penser que qui sait se fait bonga. Le jour où tu arrives à penser que mon kali fait bonga. Le jour où tu arrives à penser que Barumbu fait bonga. Le jour où tu arrives à penser que Massimani me fait bonga. Le jour où tu arrives à te dire que ngai compte nangande mu te fait kota mbongo. C'est ce jour-là que nous dirons et réellement qu'il y a eu éveil patriotique. Mesdames et messieurs, Boyoki Mwana Mboka Pascaline, je rappelle qu'Azali Moko est communicateur, il y a parti présidentiel, analyste politique. Merci Nabino, on a vu que vous êtes pelina analyse naïe, vous êtes pelina ba réponse naïe. En tout cas, vous avez rendez-vous ya kolandaye. Naïba TV officiel désormais tous à Wana Ndenge Pascaline Alobi, tous à chaîne Asika, pour tenir sur rigueur vraiment mingité, na moi ma qualité à son, y a image tout nini, vraiment tout comme Kameka, bientôt tous à la plateau, tout comme Bongisa déjà, ma soutien à Bino et vous à la paix ma bête, en tout cas tout coutani na Mikolo Mikoya. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou, je dis mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas, lui il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qui cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas.